Salut, salut! Alors aujourd'hui, petite ouverture Yu-Gi-Oh! Donc, comme vous le voyez, un pack Gold, Premium, enfin Premium, pardon, 2. Donc aujourd'hui, on va en ouvrir 6. Donc, une, plus une boîte de 5 scellés. On va commencer par celui-ci, directement. Voilà, toujours du gaspillage. Hein. Je le dirai à chaque fois, je crois que je ferai une vidéo. En ouvrant des packs gold, c'est un peu dommage quand même pour l'environnement. Donc alors, ça se présente comme ça, hein, vous le savez déjà sûrement. Donc une boîte, voilà, comme ça, doré, très beau doré d'ailleurs. Ensuite, dedans, nous avons la petite boîte en plastique, gaspillage encore, mais bon, tant pis. Et après, nous avons le booster pack gold. Premium 2. Donc dedans il y a 10 cartes. Donc il y a 4 secret gold. Et le reste c'est des super en gold. Il me semble. Donc alors, on va ouvrir tout ça. Hop. Bon, je pense que je vais ouvrir tout ça. Alors, nous avons Pepero Serperus. Donc voilà. Ensuite, nous avons. Oh, je l'ai pas, tant mieux. Griffe Noël. Joli aussi. Ensuite, nous avons étincelle de poussière d'étoile. Ensuite, nous avons requin chat encore. Que j'ai. Oh! 4 fois je crois. Ensuite nous avons Traptrix Dionaea. D'accord. Ensuite nous avons carte piège cessez-feu. Ensuite une partie d'Exodia, la jambe droite de l'interdit. Je sais plus si je l'ai parce que j'ai 3 parties en double. Donc j'espère que ça sera une quatrième partie en double. Ça, si je peux avoir toutes les parties soit à l'échange, soit à la vente. Donc ensuite nous avons carte piège avertissement divin. Ensuite pour non encore deux destruction terrestre carte magie. Ensuite nous avons Barxion naturelle une carte synchro dragon très jolie. Ensuite, nous passons au pack scellé. Donc, le pack scellé se présente comme ça. Alors, ça s'ouvre comme ça. Tac, hop, et après. En boutique, ça se présente comme ça. Excusez-moi. Voilà, dedans il y a 5 gold. Bon, on va commencer. Ça, je vais poser ici. Ça, je vais mettre ça ici comme ça pour pas abîmer les cartes. Ouais, une vraie galère pour ouvrir. Alors, nous avons. Oh putain. Requin chat encore. Ensuite, Isolt. Belle des enfers, je crois. Ouais, ça. Ensuite, nous avons numéro 95. Que j'ai déjà en triple. Ensuite, nous avons Aile Noire, Chris, la fissure de l'aube. Je ne sais plus si je l'ai. Ensuite, nous avons Charité, Sylvan, carte magie. Ensuite, nous avons Explosion infernale, que je n'ai pas, carte magie. Ensuite, nous avons Dragon des rues, que je n'ai pas aussi, tant mieux. Ensuite, nous avons Nouveau héros, Neos, héros élémentaire, que je n'ai pas aussi, tant mieux. Et pour finir, enfin non,
Bouclier humain, carte magie et pour finir, Graffa, seigneur dragon du monde ténébreux. Que je crois que j'ai déjà. Donc, troisième gold. Après, il m'en reste trois. Donc, si vous voulez, j'ai des cartes à la vente ou à l'échange, vous pouvez me dire. J'ai une boutique sur Price Minister. Mon nom, c'est Clash 3. Donc, Clash et 3. Donc, j'ai pas mal de cartes à l'échange ou de toute façon, vous pouvez me dire. On va regarder si vous voulez échanger. Oh merde, j'ai une carte abîmée. Bon, tant pis. Donc, on commence par Dragon Profondame Altéré. Dragocytos que j'ai déjà. Ensuite, nous avons Paladin de la Rose que j'ai déjà. Robot géant que j'ai en 10 000. Ah, ça, je l'ai pas. Numéro 21, Dame Justice de Glace. Très bien. Ensuite, nous avons Charité Sylvain encore, carte magie. Explosion infernale encore, je l'ai eu. Dragon de ruine, je l'ai eu. Nouveau Néos, encore. Virus broyeur, que j'ai eu la dernière fois. Et trou noir. Bon, il y aura pas mal de cartes à l'échange ou à la vente. Donc, ça fait 1, 2, 3. Quatrième colt. On commence par Dragon Profondame Altéré Draco, je sais plus quoi là, que j'ai encore. Robot géant, encore. Elnoir, Chris la fissure de l'eau, encore. Amoureux de la rose, ça j'avais pas. Exodia l'interdit, la tête que j'ai déjà en triple maintenant. Dent des lions, hop, je l'ai déjà, tant mieux. Serpent sinistre que je n'ai pas. Ensuite, permutation des mondes. Carte piège. Prisme, héros élémentaire. Que j'ai déjà en triple maintenant. Voile des ténèbres. Que je n'ai pas, il me semble. Donc, ensuite, cinquième. J'espère avoir la partie qui me manque d'Exodia. Savoir les parties, 5 parties, mais là alors on commence par étincelle bis poussière d'étoile, carte piège que j'ai déjà. Oh non, pas toi, dompteur Elnoir, Joe Faucon obsidienne que j'ai déjà. Ensuite, nous avons numéro 14, Cupid Saramaya, que j'ai déjà, il me semble. Ensuite, nous avons Tristan, Chevalier des Enfers, que j'ai déjà aussi. Art du rituel avancé, que j'ai déjà. Raigeki, cool, que j'ai déjà, mais je crois que je vais la garder. Ensuite, Sequoia Sylvan. Ensuite, Anneau de Destruction, que j'ai déjà aussi. Ensuite, contrôle d'ennemis que je n'ai pas, donc tant mieux. Et pour finir, chemin lumière d'étoiles. Dernière petite gold. Espérons que j'ai la partie débridée qui me manque. Alors, commençons. Tourbillon parallèle, que je n'ai pas. Isolde, belle des enfers, que j'ai déjà. Tristan, chevalier des enfers, que j'ai déjà.
Aile noire, Pinaki, la lune ascendante, que je n'ai pas, je crois. Ensuite, art du rituel avancé que j'ai. Raigiki. Sequoia Sylvan. Anneau de destruction. Et cavalier squelette d'Excalibur que je n'ai pas. Très bien. Et formule synchronique. Bon, c'est dommage. J'aurais voulu, plutôt que d'avoir la tête d'Exodia, d'avoir une partie manquante. Enfin, il faudra que je vérifie quelles sont les parties manquantes parce que je ne m'en rappelle plus. Donc, sur 6, j'en ai eu 2 cette fois-ci. La dernière fois, j'ai eu plus de chance, j'en ai eu 3 parties. Mais bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et mettez un petit j'aime ou abonnez-vous à ma chaîne. Et à plus!